Le dehors est difficile. Je suis fatigué de travailler. Je travaille, moi, même pas l'argent. Eh, Dieu. Excuse-moi. Parce que je vais venir te rejoindre. Je suis fatigué. Eh, hey, c'est comment? Comment? Tu as décidé de mourir, papa? Oui. Ne m'aime plus. Oh, pas. Donc, tu penses que si tu m'avais aimé le cadavre? Moi, je vais aimer quelqu'un d'autre. J'avais moi dit l'affaire là, que tu ne vas jamais aimer. J'avais dit ça, que tu me trompais. En tout cas, tu vas voir ça avec Dieu. Dégage-toi. Vas-y, coupe. Je vais d'abord vendre les téléphones. S8. Fantôme. Eh, Seigneur, depuis que je pleure, je crie, je me lamente, je cherche des solutions à mes problèmes, je ne trouve pas. Mais comme je sais que tu n'oublies jamais tes enfants là, jamais tu n'abandonnes ton enfant, merci mon Dieu pour cette solution que tu viens de me donner. Bébé, égorge-toi. Tu te souviens dernièrement quand j'étais au deuil de ton ami, non? J'avais le plastique de 5 ans. J'ai mangé ce que j'ai emballé. Imagine alors si tu meurs. Le gars va venir, ça veut le sac banjo. Il va m'emballer la tête de porc. Comme il aime d'avoir 7 enfants là, il va porter la nourriture comme ça. Ta mort sera utile, je te jure. Aïe! Les problèmes. Ouais, attends, ne coupe pas encore. Attends, on va la mettre comme ça. Aïe! Seigneur, qu'est-ce que j'allais faire? Papa, avant de partir, pardon, il faut me dresser la liste de tous les gens qui te doivent. Je dis que même si c'est 25, si quelqu'un te doit seulement 25, tu vas m'écrire son nom. Je vais récupérer tout ça. Tout. Je vais rien laisser. Je vais récupérer tout. Ça, c'est quoi? C'est une amitié que tu meurs, tu laisses l'argent dehors. Moi, je suis laissé. Comme on dit souvent que quelqu'un meurt, il meurt avec ses problèmes-là. Non! Meurs, tu meurs avec tes problèmes, tu ne meurs pas avec l'argent dehors. Je vais prendre tout ça. Je refais ma vie. Tranquillement, tranquille. Chacun est content de son côté. Pardon. Maintenant, tu peux te couper. C'est bon. Non, attends. Avant de partir aussi, tu vas me donner les mots de passe de ton Orange Money, MTN Mobile Money, Express Union Mobile. Tu vas me donner tout. Pardon, tu enlèves les codes ici. Je ne sais pas pourquoi les téléphones ont les codes. C'est quoi? Tu es un prisonnier. Tu enlèves tous les codes ici parce que je n'ai pas envie de vendre vos téléphones qui vont me causer des problèmes. Je vends ça facilement. Ça, c'est même quoi ça? Les gens sont des problèmes, ils ont des problèmes. Pourtant, il y a les solutions. Hey! Égorge-toi! Ma vie va changer. Le malin des uns fait le bonnet des autres. Ça! Hey. Angor Bikai, donc tu es là depuis. Tu attends que je meure. Ok. Est-ce que mourir c'est un péché? Tu vas seulement t'avancer, nous on va te suivre. Ça ne veut pas dire que tu es très fort. Tu vas seulement me laisser. Maman. Dagobert, tu m'avais bien dit l'affaire là. Donc, Gobikai, on est là ensemble comme ça. On doit ensemble. On mange même dans le même plat. Tu as déjà préparé mon cercueil derrière. En parlant de préparer ton cercueil, ouais, je sais que tu es un gars qui aime être slim. Slim. On peut d'abord partir, non? Tu fais le choix de ta veste, de ta chaussure, comme tu choisis ce 43 là. Ton cadavre doit être chaud comme le mouga. Pour que tout soit nickel, il faudrait que ton deuil soit comme le deuil d'un président. Parce qu'avec l'argent là. Moi, je pars en mariage ailleurs. Mon chéri, tu es trop fort. L'idée de suicide, c'est la magie. Coupe-toi. Ouais. Comme tu anticipais ta mort, là, moi, j'étais bien fière. Hein, maman? Moi, je vais pas te retrouver quelqu'un là. Lui, il a même la télé, le frigo, hein, le ventilateur, télé-novelance. Moi, je devais rester là-bas à visionner une fois toute la journée, toute la nuit. Tu as encore déposé le couteau. Reste là, attends que je meurs. Ok, bébé, tu ne meurs plus. Comment? Tu ne meurs plus. Ah, toi, si tu ne meurs pas, moi, mais d'abord, vendre les téléphones. Tu prends mon téléphone. Okay. Sorcière. Ah, putain. Ça va. Tu ne meurs plus. Et... Elle t'a pas de l'autre. Tu as compté la bouche.
de mourir. Il faut mourir. Tu vois comment moi, je suis venu de l'état. Hey, mon chéri, ne meurs pas. Meurs. Regarde la dette.